Yeah, c'est Axel et Fanis. Bonjour, appliqué? Oh mon dieu, Ça n'a pas d'allure cette affaire-là. On va sortir Fantasy. Tous les mots de Je pense que j'ai déjà dit en plus. Maybe! Oh god. De retour! Je sais qu'on va se perdre à un moment donné, c'est sûr. De retour à Axel et Fanis, Boyfriend Dungeon. Pretty cool à date. Yeah, belle découverte so far. On a pas mal de trucs à découvrir encore par contre là. Mais là je viens de comprendre un peu comment que ça fonctionne l'aspect des spells là, dans le jeu là. Ouais. Les attaques, les livres. Mais tu sais, il l'avait décrit, mais je pensais pas que c'était vraiment comme un truc qui impact dans un radius, etc. Je pensais que ça allait me buffer ou quelque chose du genre. C'était juste c'était une attaque là. Sounds good. Puis dans Info Arms, yeah. Peux-tu voir nos beaux messieurs à date qu'on a. Sûrement. Mais buzz! Non! Alright. Oh man! Parce qu'ils sont pas encore avec nous. Peut-être, ouais. Puis qu'est-ce qui se passe avec Isaac là? Qu'est-ce qu'il dit? Ben c'est ça, là, on va aller lire. Alright. Wow. Cher Fanis, je suis disponible pour contre un entraînement. Je te donnerai tout ce que tu as besoin dans mon bureau, si tu le souhaites. Parfait. Ok. Ce qu'il nous a déjà dit. Fait que je très épistolaire! Je ne connais même pas ce mot-là! Mais c'est-tu un mot modifié parce qu'il y a le mot pistole dedans, genre pistolet? Oh non. J'ai juste pris l'autre. J'ai également hâte de m'y mettre. Et de te mettre. Ah, c'était tout? Mais oui, okay. C'était. Nice. Non, mais je l'ai vu. Là. Ok. T'as pu trouver ton chemin au rapport, soldat. Cool. Mission accompli, chef. Il est super beau. Ah, ça. Ah, yes. Ah, mais oublie j'ai pas, rencontré l'homme épée. T'es un horny, nerdy kid, là. Ah, oui, c'est vrai. Il est super beau. Je t'ai pas dit pour que t'ailles la surprise. Alors, ça s'est bien passé? Ça s'est passé comment? Attends, non, ne me dis pas, on devrait se voir. J'ai peut-être un autre candidat pour toi. Oh shit, oh, dude! Mon let's go, dieu! Moi, je suis OK! Oh, ouais. C'est vrai, c'est en lettre, je kill. Damn. Oh, damn. OK. Oh shit, quoi? Pardon, je suis habillé? Un peu plus tard. J'ai entendu dire que t'as ramassé Isaac. Il m'a dit que tu as fait de l'effet. Je l'ai ramassé solide, dude. Attends, il était gentil, c'est un bon professeur. On a trouvé une autre épée. Ah, c'est vrai, on en a deux. Faut que je dise. De toute façon, c'est pas avec lui que j'entends. Deux épées en une journée. Tu chompes pas, hein? Non, man. Ben, je suis content que ça s'est bien passé. Merci. Ah, Isaac m'avait dit que t'as peur de la technologie ou du changement. En tout cas, je suis sûr que vous allez trouver comment régler tout ça ensemble. Même si Isaac, c'est pas de ton genre, au moins ça te permet de t'entraîner à rencontrer des nouvelles personnes. Je sais ou quoi que t'as peur de t'attacher? Mais là, ouais, j'ai pas peur! Ah, vous alliez répondre, mais vous toussez, manquez de vous étouffer! Oh mon dieu! Ok. T'as du mal à ce point, au moins t'as regagné un tout petit peu de confiance en toi. Un tout petit peu, hein? Ah, c'est ton jour de chance, parce que je suis allé au lycée avec un gars qui tient un magasin d'épée. Il est célibataire en plus. Oh mon dieu, tout le monde est célibataire. En fait, ce qu'il dit sur son profil, je l'ai pas vu depuis des années. Mais il est certainement la personne après Isaac qui en sait plus les épées. J'ai son numéro. Jesse Piano sur son portable. Et voilà, il est libre demain pour un café, ça te tente? Hey, wow, là, qu'est-ce qui se passe? Voyons donc! Faut déjà rencontrer quelqu'un d'autre. Ok, carrément, c'est obligé, il ressemble à quoi? Ouais, je sais à quoi qu'il ressemble, qu'est-ce que c'est ça? Il est grand, mince, habillé bien, il est blond. Oh, il est blond! Il avait pas la tronche d'éléphant, man. Who the fuck is Elephant Man? Elephant Man? Ah, ça me dit quoi? Tu sais, c'est qu'un entraînement pour t'échauffer, là. Okay. Alors tu vas y aller, hein? I guess que c'est obligatoire dans l'histoire. Hein. Ouais, mais avoir les choix qu'il me donne de toute façon. Oh! Wait! Est-ce que mon t'as répondu quoi? Si j'avais le choix? Ouais. Ah oh. Il va nous succéder au Le Pénito. C'est sûr et certain. Pas vraiment. Genre, il a droppé le pâté chinois chez eux pour venir ici en courant. Puis genre, avoir une date. Puis toute la quête, c'est. Oh mon dieu. Ah, dans le fond, c'est ça. Lui, il nous match depuis le début. Mais deep down, oui. C'est avec nous qu'il veut être. Oui. Ouais. Lui, il est au sommet de la pyramide dans son plan. Là. C'est ça. Dans le fond, il nous fait rencontrer des gens qui sont clairement trop beaux pour nous. Ou pour moi. Fait que là, j'aurai jamais ma chance avec eux. Pour à un moment donné démoralisé as fuck, ouais. Être en train de pleurer sur mon lit. Exactement. Puis là, lui, il va apparaître devant moi. T'as tout compris. Puis il va mettre son pinot dans. Yeah. Oh non. This is what is going on. Let's right go, now. Let's go. C'est le café en bas de la rue. Juste un café. Oh, tu vois, right. il met déjà une petite pression de comme pas plus qu'un café, dude. Ouais. Je sens déjà sa position un peu autoritaire. Ouais.
par lui des donjons. Apprends à le connaître. Parle-y pas de Matsuk, sinon je pense. J'ai déjà une idée pour ton prochain rendez-vous. Que ça match avec Eric ou pas. Oh, oh, c'est Eric. On a un nom, on a un nom. Bon, faisons un jeu de rôle, là. Je suis Eric, no stress, vas-y. Hein? Oh mon dieu. Attends, il veut qu'on se pratique sur lui, là. Il est comme, pratique-toi okay. sur moi. Il se déshabille. Fantastique tellement, là, c'est sûr. Ok, alors tu rentres dans le café. Yeah. Je suis Eric, je suis assis, mm-hmm. je t'attends. Comment tu engages la conversation? C'est moi, on fait la bise, hein, mon dieu. Ben là, salut normal, I mean. Je vais pas crier, c'est moi. Je vais crier, c'est moi. Oh non, il a pas aimé ça! Ah oh ouais, direct comme ça. Aïe, aïe. Mais tu devrais essayer quelque chose de plus simple, là, comme bonjour ou moi, c'est Fanis. Ben oui, c'était mon plan, mais you know. OK. Vas-y. Fait qu'ils veulent vraiment que j'agisse genre normal guy, là. Yeah, vas-y, t'es capable, man. On a rien sans rien. Il faut que tu t'entraînes. Bonne chance, à demain, le dude. Cousin. Cousin, cousin, ouais. Jesse s'en va. Jesse décalisse. Vous avez quelques heures à trouver. Comment allez-vous passer la soirée? Du ménage? Repérage? Surfer sur le net ou prendre de l'air? I mean, of course, je vais surfer sur le net. Vous regardez ce qui se passe dans le monde, tout le monde râle surtout. Ah ben oui. Of course. C'est le sens. Vous finissez par chercher Eric sur les réseaux sociaux. Ah oui! J'en apprends sur lui. Stalking! Vous trouvez pas grand-chose sur sa vie. En revanche, vous trouvez son magasin. Ooh. Il s'appelle Acier Trompé. Et n'a que 2 étoiles. Oh fuck! C'est un jeu de mots? Assez trompé, genre? Ouais, peut-être. Assez trompé. Ok. L'un des commentaires dit: le propriétaire est un expert dans son domaine. Les prix sont honnêtes. Super service, 5 étoiles. Nice. Celui juste en dessous, Assez trompé. Pas sex shop, pas porno. Standblade Génération, 1 étoile. Wait, what? Pourquoi t'étais là? Ouais, c'est quoi ce review là? Walmart. Pas une place pour acheter de la drogue puis de l'alcool. 0/5. Pis le dude, il y a une photo là en train de fumer genre 4 battes. Là. Vous fermez la page et allez vous coucher sereinement. Serein après avoir lu ça. Ouais, c'est ça. T'es sûrement fab juste avant de fermer l'ordi. Ah, ouais. T'es serein après avoir vu ce review de marde là. Pas cette shop, pas porno. Assez trompé ou c'est assez bandé. Allez, let's go. T'as une petite tête. Oh non. Vous réveillez complètement immobile. Vous êtes tout nu. Votre cousin est au pied du lit. La peur vous cloue. Il m'a paralysé avec une aiguille. Je peux réaliser, je peux plus bouger. Oh non! Oh non, man. Jesse, why? Aujourd'hui est votre premier rendez-vous. Et si... Et si quoi? Vous ne savez pas de quoi vous avez peur, mais vous avez du mal à respirer. Oh non, je fais une attaque de panique. Comptez jusqu'à 10, pensez à autre chose. Toi, mais oui, mais là, je sais pas, je compte pas jusqu'à 10, ça marche pas, ça fait là, je vais penser à autre chose. Vous attrapez votre portable et commencez à jouer. Oh yeah! Je commence à jouer avec ou à. C'est toi, c'est libre à l'imagination. Vous vous calmez, ben voilà, c'est ça. Voilà. C'est ça, c'est. Okay. Vous vous levez et descendez la rue en direction du café. Pour vrai, tu penses-tu que c'était comme genre. Frappé? Ouais. Yes, man! Il a fait ça avant de se coucher, il pensait le vent. Pas juste de ça. Bienvenue au Kicks! Yeah. Une madame! Elle s'appelle juste Barista. Pour vrai, ouais, tes parents t'appellent Barista. Of course, tu travailles dans une coffee shop. Je pense pas que c'est son nom, là. On continue. Elle a peut-être dévoilé son nom. Okay. Ah, faut y faire. Hein? Tu veux le faire? Vas-y, vas-y. Non, je fais bon pour les voix de je vais faire Claudette. Oh okay. My god. Je crois qu'il y a quelqu'un qui vous attend. L'homme dans le coin, là-bas, là. Vous balayez la salle de regard et voyez quelqu'un vous faire un coucou. T'as-tu craché ton café? Janice? Il est parti. Oh non! Oh mon dieu! Oh dude! Quoi? Dans les deux cas, si je crachais ça par le nez, ça va être dégueulasse. Mais ça, c'est une gorgée d'un monster, là. Fait que le pétillant aurait été awful, là. Oh non, t'es pas sur le monster! I am your motherfucker! Hey, ok, let's go! T'es la cousine. Wouah! Alright. Je le file pas, lui, Fanis. Non? Non. Les blonds, là, c'est toujours des petits cocky bitch. Yeah. Dis-moi, t'es plutôt quel type d'épée? Oh. Une ou deux mains? Wow! Ben là, je sais pas, moi! Moi, j'aime le... C'est pas mon... Direct dans le vif! Ben oui, ben ouais, c'est ça. Je
jusqu'à 2 mètres! J'apprécie évidemment la maniabilité. Je peux niquer, Alexandre! Que parfois il faille savoir s'y prendre à deux. Oh, alright. Ben oui! Alexandre, comme dans Dark Souls. J'aime les double ended sword. Yeah. T'appuies sur Y, ça devient un two-handed, puis là, tu prends deux mains. Ah, j'aime ça. Wow, ok. Il bouge ses sourcils d'un air lubrique. Oh non, c'est moi, Fanis, avec les sourcils. Oh mon dieu. Ben oui. Puis genre, tu penses une lutte, mais t'en as pas. Mais tu fais le mouvement pareil, juste pour comme. Oh, hey, je suis vraiment un dick. Hey, faut que je commence à faire ça, man. Pardon. J'ai commencé à faire des moves animés de lunettes, genre, mais j'en ai pas. J'adore le juste pas. C'est un bon gag. Yeah. Jesse m'a dit que tu étais du genre à affronter des monstres. J'ai pensé que je pourrais t'aider à choisir une arme. Oh. Ok. Toi, tu veux te changer en arme? En panique. T'es comme été traumatisé, genre. Attends, tu peux te changer en arme, dude? Oh non, il a pas aimé ça, man. On s'en fout, d'Eric. Ok. Non, man, c'est pas mon truc, là. Dans mon magasin, là, on vend que de l'acier peint, man. Une partie est importée, là, mais on en fait aussi sur place, man. Lorsque je vois quelqu'un apprécier mon or, là, je rechigne jamais à leur faire une petite réduction. Voilà, dude. Tu m'as l'air d'un homme capable de reconnaître le bon artisan d'un mauvais. Oh non, il est comme une. C'est quoi le nom d'une fille qui représenterait bien ça, là? Ah, voyons, j'essaie de quel stéréotype tu parles, là. Yeah. Comme une. Pas Texas, là, mais en tout cas. Ouais, en tout cas, ça lead vers ça, genre. Ok, Oh my god, là, tu sais, comme. Oui, parle c'est comme ça, là. Exact. Ok, tu peux te plaindre d'un homme capable de reconnaître le bon artisan du Baba Bermine. Une Cali Girl. Ouais, c'est vrai. En tant que forgeron, là, je suis moi-même doué d'un air critique, man. Y'en humaine. Ouais, je transforme de vulgaire morceau de métal à la force de mon mort, là, pis j'en fais des œuvres. Enfin, j'essaie, man. J'ai encore beaucoup à apprendre, là. Mais c'est pas avec des vidéos tutoriels qu'on apprend tout un midi. Il se transforme à la fin. Alors, il est rougi. En tout cas, un jour, peut-être, là, je serai un épée que tu pourras manier, man. Un épée aussi belle que toi. Oh non. En attendant que ce jour arrive, là, voilà un petit cadeau pour toi. Je suis certain que tu t'en sortiras. Un miracle des temps modernes. Le gars, t'as donné du plastique! Un morceau de plastique, je t'ai curé. Sacrément. Qu'est-ce que c'est ça? Fanis s'essuie les yeux, guys. Mais là, il n'y a même pas. Dude, on dirait un départ pour jouer au Yum, mais il n'y a pas les chiffres dessus. Exact! You dumbass. Dingle Wad. Okay. Oh. Alright, patron bracelet. Votre patron à l'établi. Ok. Vous avez déjà une idée qu'on va faire? Non, mais. Je devrais retourner au magasin, bro. Est-ce que t'aimerais renouveler l'expérience? Un vrai rendez-vous? Ce joueur doit visiter me fait du bien. Pense-y. We hate this fucker, dude, man. We hate this fucker. C'est un petit mouvement. Yeah, tu sais qu'il y a un petit côté nerd là, sur le side. Là, je sais que c'est une anvil genre pour forger. Un enclume. Mais oui, c'est ça. Mais tu sais, ça fait un petit Star Trek vibe. Là, oui! Un petit nerdy gosse. Là, quelque part à l'intérieur de lui, ok. Il porte un col roulé, il fait genre 32 000 dehors. Yeah. J'aimerais ça. Non! Qu'est-ce que t'as fait? Non! Excellent. Si t'as besoin d'une arme, là, nous on se verra assez tôt. Ciao, le gros. Alright! Oh man, Eric s'en va. Oh yeah. Vous rentrez chez vous. Ouh. Eh. Hey. Alright, there you go. La première date, enfin, presque. Fait que c'est ça. Attends. Oui. Mais moi, dans ma tête, je pensais qu'on datait nos armes, mais il y a du vrai dating d'hommes. Ouais. En plus des armes qui vont nous séduire. Fait que c'est comme si t'as deux univers à dealer avec. Là. T'as genre ton côté fantasy armes, puis t'as tes vraies personnes dans le vrai monde. Ou c'est des vraies personnes qui ont juste été trapped dans des armes. C'est un peu dur à comprendre. Tu sais, comme lui, il forge des armes. Fait que c'est, il crée des humains. Il crée des armes humaines. Ah, c'est lui qui. C'est le créateur, c'est un créateur. Tu sais, je peux pas le voir. Hein. C'est cool, c'est intriguant. Genre, je suis pas écœuré. Non, c'est unique en tout cas. Ouais. Ce qui arrive parfois avec ce genre de jeu-là, c'est que je me tanne après comme 30 minutes. Je suis comme, oh man, il y a rien qui se passe. Tu sais, mais là, dans ce jeu-là, c'est ça. On a rencontré plein de gens. Puis c'est comme, man, c'est cool. Bref. Ah oui, crée donc un petit quelque chose. Ouais, ben c'est ça. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là. Ouais. On peut créer un patron bracelet. On peut... C'est tout. Mais je pense que le jeu veut qu'on crée notre premier truc. Fait que on va y aller. Let's go.
prends du fil, je prends un cul de plastique, ça donne un bracelet, madame, qui parle comme genre, je sais pas quoi faire de ma vie. Oh non, attends, ça prête aussi à un objet de Karen. Oui, les trois bracelets en or. Ouais. Là, je baisse mes lunettes un peu, genre, sur le coin de mon nez, puis je suis comme, ouais, c'est pas toi qui vas coucher avec ma fille à soir, dit Lédron. Lédron? Oui, par moi, c'est une lunette, et oh, comme, oh, dude. En tout cas, je vais aller manger mon spaghette. Arc! I'm ghost déjà. Fait que là, on va pouvoir donner ça en cadeau à quelqu'un, là. Surtout pas Eric. Ben, je sais pas, on dit que je veux le garder. Il veut le garder. Il se fait des bijoux. T'as raison, c'est vraiment des cadeaux à offrir pour avoir des, yeah, man. Des services sexuels. Cool. C'est du troc, hein? Hein? Oui. Les dates, en réalité, c'est des trocs subtils en échange de services sexuels. Tu me l'apprends. Je l'apprends quand même. On va aller voir qu'est-ce que Jesse a à dire. Okay. Là. Puis on va closer maintenant après ça. Maintenant qu'il y a, genre, il y a plein de photos de moi remplies de... Oh, shit! Oh, mon Dieu. Hey, man, t'as pris un date, là? Comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé. I mean, sure. C'était pas vraiment une date. Tu me niaises? Oh, oh non. Je veux dire, turbo cool, là, mais content pour toi, mais comme, laisse-moi te présenter d'autres personnes avant de te marier, là. Ça représente une heure. Tu sais, il panique, là. Il parle tellement de lui-même, oh, là, ouais. Je suis d'accord, là, ça n'a pas de sens. Ça représente une hausse de 100% de ton expérience en rendez-vous depuis hier, tu sais, puis bientôt, je vais t'en trouver un autre, man. Il a tout écrit ça en une seconde. Couche pas avec. Il avait déjà copié-collé tout ça. Ah oui, c'est ça. Je veux rencontrer des armes, puis Isaac alors, puis Eric alors. Je sais pas, man. Mais Isaac était cool. Tu peux continuer à voir Isaac, c'est correct, là. Le choix, c'est le piment de l'amour. Je vais trouver quelqu'un de bien, OK? Oh, t'aimes danser? Okay. Tu aimes danser? Dungeon Chill en attendant? Si tu t'ennuies, t'as qu'à utiliser l'établi, dude. Tu peux obtenir les matériaux d'événements puis d'autres trucs dans les magasins environnants, sinon on se rejoint dès que j'ai une autre date de prête pour toi. All OK, right, mais Jesse, j'ai pas besoin de ton aide. Genre, on chill, non, on est man, good, dude. Ouais, tout le monde vient à moi, là. Ouais. Tu vois, on voit le petit nerd qui marche en ville, c'est comme, what's up? Yeah, on veut travailler un peu, là. Tu aimes danser? Alors... Oui, c'est ça. Ah oui, c'est toi qui t'aimes. T'aimes danser, moi, là? Oui, lui, un petit lift. T'aimes danser? grave, mec! Je le savais. Oh. Regarde mes petites roses. Viens, mon club. La rose. En tant que VIP. Oh, j'y serai, mec! J'y serai! Okay. Il te king! Il me king, man. Oh, c'est genre, ouais, je suis pas sûr que c'est bon. C'est... Ok, moi aussi. Tu n'as qu'à dire au videur que tu es avec moi. Le Sunder. Alright! Nice. C'est tout ce qu'on a. Bon! Alright, fait qu'au prochain épisode, on va au club VIP? Yeah, ouais, c'est ça. Ben, hein? Y a-tu plus qu'un objectif? Bref, on va découvrir ça on au prochain épisode. Oui, il y a un mini choix. Tu sais, comme tantôt, on fait continuer à s'entraîner avec notre épée ou on a décidé d'aller au café. Quoi? C'est quoi, Alexandre? Quoi? Au prochain épisode, là? Oui. Je me fais un makeover pour aller rencontrer. Oh shit! All right? Makeover! Hype! All ok, right. Au prochain épisode. Bye. Okay. Bye.